ensuite celui-ci. Donc, je vais donner des noms à ces fonctions. Je trouve toujours plus pratique que quand on a y égale. Donc f et g, f choisit la fonction du dessus et g la fonction du dessous. Et puis on veut trouver le volume de la figure qui est générée quand on fait tourner cette partie grise autour de l'axe des x. Alors la première chose dont on a besoin, c'est ces points d'intersection ici. Et pour trouver les points d'intersection, eh bien on cherche quand est-ce que f égale à g. Donc ça fait quoi? Moins x carré moins x plus 12 égale à x carré moins 3x plus 8. Et puis, ça fait quoi? 2x carré moins 3 plus 1 moins 2x moins 4. X carré moins x moins 2. Donc ça fait x de solution, on a en tout cas un 2 et un 1, x plus 1, x moins 2, a priori, j'ai pas fait d'erreur. Donc ici, on a moins 1, et ici, on a 2. Puis après, on calcule le volume de l'intégrale entre moins 1 et 2. De f de x au carré moins g de x au carré. Un long calcul, ça. Si, décidément. Il n'est pas très envie de le mettre aujourd'hui, ce pi. Alors, je vais faire. Ces calculs-là, je vais les faire à côté pour éviter de trop charger la chose. Alors f de x, moins x carré, moins x plus 12, fois moins x carré, moins x plus 12. Ça donne quoi? X puissance 4, plus x au cube, moins 12x carré, plus x au cube, plus x carré moins 12x moins 12x carré moins 12x plus 144. Et ben puissance 4, ici on a x au cube plus x au cube, donc 2x au cube. Là on a moins 12x carré, moins 12, moins 24, moins 23. Et puis des x. Des x, on a quoi là? Moins 12, moins 12. Moins 24x plus 144. Il y a quelqu'un qui a fait ce calcul? Peut-être que moi je me suis trompé. Moins x carré moins x plus 12. Regardez ça. Moins x carré moins x plus 12 au carré. Il m'a pas reconnu le 1. Il veut pas le faire. Ça, c'est le futur. Hein. Ouais. Bon, mais il a pas voulu le faire, alors on va faire autrement. Hop. Il réfléchit et il me donne la réponse. X4, 2x cube, moins 23x carré, moins 24x plus 144. De tête, ça a l'air juste. Voilà. Le deuxième, je vais le faire comme ça aussi, parce que j'ai pas envie de faire tout le calcul. À l'intérieur, je ne mettrai pas des aussi pénibles que ça. Je vous promets. Je vais passer où ma souris.
Voilà. Alors, x carré moins 3x plus 8. Au carré, ça donne donc x carré moins 3x plus 8. X carré moins 3x plus 8. X4, 6x cube. 4 moins 6, 25 moins 48, 64. 4 moins 6, 25. C'est juste? Non, moins 48. Ouais, ça va. Je les rajoute après. Les puissances, c'est plutôt clair. X4, x cube, x carré. Mais pas de 4, ah c'est juste x4, c'est ça que tu m'as dit. Je t'ai pas écouté. Faut pas le dire. Alors, f carré de x moins g carré de x, c'est ce qu'on a. On a x4 moins x4, donc ça s'annule. Ensuite, on a 2 et 6, donc on a 8. On a moins 23, moins 25, ça doit faire moins 48. On a moins 24 plus 48, je vais le mettre quand même. Carré. Moins 24 plus 48, ça donne plus 24. Et 144, là, ça doit donner plus 80. Donc, entre moins 1 et 2, de 8x cube, 148x carré, plus 24x. On pourrait, oui. Là, on a un 4 en commun, tous ces termes-là, même 8. Ça fait 8 pi. Ça fait des calculs un peu plus simples. X cube moins 48 plus 6 plus 3x plus 10. Par exemple. Alors, la primitive x4 sur 4. Moins 2x cube plus 3 demi x carré plus 10x entre moins 1 et 2. Et puis donc, essayons de calculer tout ça. 2 fois le 4 fois le 8 fois le 16. 16 sur 4. 4. 2 fois le 4 fois le 8 fois 2, 16. Ensuite, ici, on a un 4 sur 2 qui donne 2 fois 3, ça fait 6. 4. Ça donne... 1 quart plus 2 plus 3 demi moins 10. Ça fait donc 8 pi. Cette première parenthèse elle est égale à quoi? Ça fait moins 10, 10, 14. Et là, on a quoi? Ça fait 2 fois 4, ça fait 8 quarts. Ça fait 6 quarts. Et ça fait 40 quarts. Donc ça fait 8 et 6, 14, 15. Et 40 moins 15, ça fait 25. Merci.
fois 14, ça fait 4, 16, 56. K. C'est 56K. Oui. Ça fait 31K, oui, pardon, j'étais 31K, donc ça fait 8 pi, fois 31K, 2, ça fait donc 62 pi, c'est ça? Ça doit faire 162 et j'ai trouvé 14. J'ai fait une erreur de calcul. C'est pas ça la réponse. 162, il me semble. On va voir ce que j'ai fait comme erreur. 2 à la puissance 4, ça fait bien 16. 16 divisé par 4, ça fait bien 4. Ensuite, ça fait 8. 2 fois 8, 16. Donc moins 16. Plus 4 sur 2, ça fait 2 fois 3, ça fait 6. Et 2 fois 10, ça fait 20. Ça fait moins 10. Plus 20, ça fait 10. Et 4, 14. Ça, c'est juste. Et là, on a quoi? Un quart, plus 2, plus 3,5, moins 10. Ça fait 8 quarts. 3,5, ça fait 6 quarts. Et moins 10, ça fait moins 40 quarts. Donc, on a 8, 9. 9 et 6, ça fait bien 15. Et 15 moins 40. Ah. Plus ici. 15 moins 40, ça fait moins 25. Mais on a un moins, moins, moins 25, ça fait plus 25. Ça a toujours l'air. Alors, on a maintenant. Puis, donc on a 56. Plus 25 cette fois-ci, qui fait combien? 81, c'est juste. 8 pi fois 81 sur 4, 2, ça donne donc 162 pi. On a eu chaud. Tout ça pour une erreur de signe.